Allez, il fait beau. On fait une petite balade avec la Renata. Faut qu'elle perde un petit peu de poids parce que force de manger du castor est sans pâte, la Renata. Bon, je sais que pour vous, c'est l'été. C'est tout vert. Enfin, pour moi, c'est l'hiver. Ça rime. Et c'est tout blanc. Bon, évidemment, la Renata, elle peine un petit peu quand même. Bon, même si ça fait quelques jours qu'il ne neige plus, ça fait 2-3 jours à peu près qu'il neige plus, mais bon, ça dégèle pas. On est encore en température négative. La neige au sol se tasse un petit peu quand même. C'est un petit peu plus facile à mâcher. Au tout début, c'était super, super aéré. Et puis marcher là-dedans, c'était vraiment pas facile. Même avec des raquettes. Parce que les raquettes s'enfonçaient complètement aussi. Et bon, j'ai pas l'habitude des raquettes non plus. Je vais peut-être faire une vidéo, tiens, sur mes raquettes que j'ai là. Et ben voilà, il fait beau. Même si on est en fin d'après-midi, je vais plus avoir beaucoup de soleil. On va rentrer à la nuit, mais j'avais envie de sortir un petit peu de la maison et puis d'aller voir ma castorea la plus proche. Bon, en temps normal, sans neige, aller-retour c'est un gros 2 heures. Là, il va falloir un peu plus longtemps. Mais voilà, arrivé à la castorea où je voulais venir. Donc là, ben voilà, maintenant. C'est ça. Je vais essayer de vous mettre une photo de la dernière fois où je suis venu. Cette partie de la castorea ici, qui est sur le devant super, super creusé. Il y a le canal du castor qui fait plus d'un mètre de profondeur, entre 1 mètre et 1 mètre 50 de profondeur, en fait, juste sur le devant. Donc, la dernière fois où je suis venu, ça commençait à geler un petit peu, mais ça n'avait pas encore neigé. Et puis là, heureusement que je connais le coin, parce que là, si j'essaye de marcher ici, dessous, il y a de l'eau, il y a de la boue, il y a des canaux de castor. Et si je tombe là-dedans, je vais m'enliser au fond dans la vase et je vais patauger dans l'eau. Voilà, on a normalement les canaux, le canal principal du castor qui passe comme ça et puis un canal transversal. Bon là, moi, je vais suivre ici, heureusement que je connais. Et donc là, le but, c'est d'essayer de trouver des passages de castors, s'il y en a, mais normalement, celle-là, je l'ai nettoyée, ça m'étonnerait que, enfin, je ne pense pas, j'espère que non, qu'il y a des castors qui sont revenus, donc on va voir. Mais, Renata, viens là, je vais essayer d'aller sur l'eau, viens là, Renata. Bon, pour elle, ça devrait aller. Là, elle est donc sur de la glace. J'espère qu'elle va pas tomber. Parce que là, on est à une grosseur de la maison, sinon elle va choper froid avant de revenir, la pauvre. Donc là, je voulais venir ici pour voir, et d'une, s'il y avait des castors, et aussi d'essayer de trouver des traces de visons. Donc je vais suivre mon petit chemin habituel. Je sais où il y avait des visons, j'en avais vu. Je vais essayer de retrouver les traces de ça. Mais là, regardez, voyez les montagnes. En plus, là, aujourd'hui, il fait assez beau. Bon, c'est un tout petit peu couvert. Mais dans l'ensemble, il fait bon, il fait pas froid. Ça gèle, mais il fait pas froid. Ça, c'est le Cerro Pirámides, donc le mont Pyramide. Pourquoi ? Ben, je vous laisse deviner. Hein. On dirait un petit peu une pyramide quand même. Là-haut, au-dessus, c'est le Carancho. Vous connaissez, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Mon chemin, en fait, part de derrière là-bas et passe avant cette crête qu'on voit ici, en fait, juste là. Allez, je vais me balader un petit peu et je vous reprends tout à l'heure.
pour ceux qui connaissent mon canal secondaire, donc la chauve ferrale, qui est plus dédié quand même à des choses comme la pêche, la chasse, les armes, etc. Donc c'est ici, à cet endroit, que j'ai fait ma petite vidéo sur comment pêcher en fait à l'aide d'un conibert, d'un piège à vison. Donc ceux qui connaissent pas, allez donc voir. Les vidéos sont limitées à, généralement sont limitées donc aux personnes de 18 ans et plus, puisqu'il peut y avoir du sang dans les vidéos, hein. Je fais des tests de couteaux en usage de chasse, des tests aussi sur des carabines à air comprimé en ce moment. Donc allez voir si ça vous tente. Moi je vais continuer mon petit tour, je vais continuer de chercher des traces. Regardez si c'est pas beau ça. Immaculé. Alors on est en plein sur le haut de la maison des castors. Là normalement c'est la sortie qui va jusqu'au barrage qui se trouve au fond. Et puis de ce côté là, donc on a la rivière normale. Donc c'est l'entrée. Donc à la base, quand il n'y avait pas de castors, quand les castors n'existaient pas, on avait tout simplement donc un petit ruisseau qui venait comme ça, hop hop hop, et qui allait par là et qui continuait de suivre la vallée pour se jeter directement dans la mer en fait. Et puis le castor est arrivé et puis ça a changé tout ça. Bon, là c'est pas super super simple de marcher là-dessus, donc c'est partiellement gelé dessous, mais comme on voit là où c'est le passage principal, mais on a plein de petits passages annexes en fait qui sont complètement recouverts de neige, comme là le petit morceau qu'on voit là, et ben qui sont pas complètement durs, donc il vaut mieux savoir un petit peu quand même où on marche. Mais là, bon, c'est mon terrain de jeu, je connais. Là, je vois des petites traces ici. Je vais aller voir un peu plus près ce que c'est. Il y a des chiens qui ont l'habitude de venir là depuis le village. Vu d'ici, ça me paraîtrait des traces de chiens. Je vais me rapprocher de ça, sinon j'ai vu aucune trace ni de castor ni de vison pour l'instant. Bon, pour moi, c'est pas facile. Pour Renata, ça ne l'est pas beaucoup plus. Bon, on a fait le tour complet de la Castorea. Et donc, j'ai rien vu du tout. Aucune trace, ni de castor, ni de vison. Bon, la lumière commence à baisser. On va se diriger lentement vers le village. Mais c'est joli. Regardez les lumières. Que vous voyez et entendez ici, c'est un pic de Magellan, donc c'est le plus gros pic au monde, et ça c'est une femelle, une petite bande blanche sur le dos et elle a juste le bec rouge. Les mâles ont toute la tête rouge et là elle est en train de chercher des larves. Il y a des grosses larves de la taille à peu près du petit doigt. Elle va bouffer ça. Voilà, on est déjà sur le retour. La luminosité baisse pas mal. Et ça, donc là, qu'on suit comme ça, ça, c'est des traces de vison, bon, qui sont pas fraîches. Hein. Ça suit comme ça, là, et ça part ici. Et ça part après sous les branches ici et après dans le bois qu'on se trouve là. Donc les visons ont complètement déserté la castorea qui était là-bas. Ils avaient un nid en fait sous les branches. Enfin l'année dernière j'en avais vu quelques-uns, des couples, en début de cette saison aussi.
Mais là, comme la plupart des animaux ici, bah, ils ont tendance à se rapprocher de la ville pour l'hiver. Donc il fait un petit peu plus chaud au niveau de la ville. Et puis la ville est juste au niveau de la mer, donc on gagne quand même quelques degrés. Et les visons se rapprochent aussi. Bon, mais vous avez vu que, enfin, j'espère que la vidéo sur le pic de Magellan va donner quelque chose, ça je le saurai qu'au montage. Donc le pic de Magellan, lui, il n'est pas du tout invasif ici, hein. Il est au contraire absolument protégé. Et bon, on va continuer de se rentrer avec Renata. Quand on sera arrivé à la maison, ça nous aura fait une petite balade dans la neige fraîche de 8-10 km. Donc bien pour elle, bien pour moi. On aura droit à tous les deux un petit truc. Elle, ce sera bah, comme tous les soirs, sauf quand elle découche, mademoiselle. Mais sinon, tous les soirs, elle a droit à bah, du castor avec du riz. Et puis, bah, moi, ce sera bah, du castor avec du riz. Ouais, je sais, on a une alimentation entre elle et moi qui est à peu près équivalente. Sauf qu'elle a plus de gras de castor. Moi, j'ai quand même plus de viande de castor. Bon, allez, ben, sur ce, Renata. Bon, et eh ben, sur ce, moi, je vais vous laisser. J'ai encore un petit peu de chemin. Et puis après, de toute façon, dans quelques temps, il va faire absolument trop sombre. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, Renata. Pas venir.